Voilà. Allez, les amis, donc on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, découvrir encore une facette de la Torah, et en particulier de la Maseret Baba Metzia, et en particulier de la page 24. Et donc on va avoir la chance de tourner la page, Bezrat Hashem. C'est pas une petite affaire, hein, tourner une page. Ok, alors on y va. Alors donc on était... la semaine dernière, on est resté avec le suspense. On était vraiment, c'était vraiment comme un feuilleton. Chaque semaine, c'est la suite. Je ne sais pas comment on peut dormir. Comment vous faites pour dormir? Moi, je ne dors pas la nuit. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui va se passer là? On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques minutes. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Pour savoir ce qui va se passer d'abord, il faut savoir ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, rappelons-nous, on avait vu une grande discussion, une marloquette, entre deux grands maîtres de la Mishnah. Le premier s'appelait Rabbi Shimon ben Elazar, et le second, on ne va pas le nommer, on va dire Chachamim, c'est-à-dire tous les autres sages. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il avait une thèse, il défendait une thèse, et puis ses camarades, on ne donne pas leur nom parce que c'est tout le reste, quoi, tous les autres qui étaient ses camarades, pensaient une autre thèse, à savoir, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il a lancé un débat. Et il a dit, voilà, moi, je pense qu'une personne qui a trouvé un objet dans un endroit où la majeure partie de gens sont des gens non-juifs, donc ils ne font pas la mitzvah de Hashavat Aveda, donc c'est-à-dire que lorsque vous perdez un objet dans la rue, ben, vous n'avez pas aucune... En tout cas, il n'y a pas beaucoup de chances de le retrouver puisqu'il y a toutes sortes de personnes qui passent dans la rue. Et il y a de grandes chances d'arriver à ce que vous ne le retrouverez jamais. Pourquoi? Parce que si monsieur tel, monsieur un tel le trouve, il va la garder pour lui. Si vous êtes à Jérusalem, dans la vieille ville, il n'y a que des juifs, et tous les juifs religieux, tous les gens qui font toutes les mitzvot, la Torah dit qu'on n'a pas le droit de le prendre, ben, vous êtes sûr de le retrouver. Mais si vous êtes dans un endroit où il y a des juifs, il y a des goyes, il y a des juifs, il y a des goyes. Alors, qu'est-ce que vous dites là, alors? Alors, si il y a 90% de goy et 1% de juifs, bon, les chances de retrouver sont minimes. Et donc, moi, j'ai eu la chance de trouver. J'ai eu la chance, je ne sais pas si j'ai eu la chance ou pas. En tout cas, j'ai passé, je le trouve. Je me dis sûr et certain que la personne qui a perdu cet objet dans cet endroit, qui est fréquenté par la majeure partie de non-juifs, c'est sûr et certain qu'il a été, il s'est découragé, parce qu'il va dire, qui c'est comme Laurent, personne ne me le rendra. Bon, ok, bon, tant pis, ben voilà, ben tant pis pour moi, ben après moi, je ferai mieux attention à ce qu'il y a dans ma poche. D'accord? Donc, ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit, ça, c'est sûr. Le problème, ça, c'était sûr qu'il a dit ça. Que si le rov des goyim, le rov de l'endroit, c'est des goyim, et donc, l'objet est perdu. Et donc, s'il est perdu, si moi je le trouve, je peux le garder. D'accord? Maintenant, on a, et c'est ça le feuilleton d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie, ou je ne sais pas, c'est la cinquième partie, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais plus où on en est. En tout cas, c'est le feuilleton d'aujourd'hui, c'est quoi? La suite n'est pas la fin. C'est quoi? C'est qu'on s'était questionné la semaine dernière, ok. Imaginons-nous qu'il y a 75% de la population, c'est des juifs. Ok? 75%. Donc, a priori, il peut, la personne, s'imaginer que dans les 75% de gens qui font les mitzvot et qui vont... J'imagine que je vais retrouver quelque chose. Parce que j'ai une chance sur quatre, plutôt trois chances sur quatre, de le retrouver. Donc, normalement, je ne fais pas yiouche. Je ne me décourage pas. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, lui, disait non. Pourquoi? Parce que lui, il voyait toujours que les personnes, ils sont toujours dans le doute. Et au lieu d'être optimiste, se dire oui, j'ai trois chances sur quatre de le trouver. Il va dire oui, mais j'ai une chance, trois chances sur quatre de le retrouver, mais j'ai une chance sur quatre de ne pas le retrouver. Et donc, peut-être dans sa tête, il se dit, J'ai pas de mazal, je vous dis, hein, j'ai pas de mazal, hein, j'ai pas. Moi ça marche jamais, jamais je gagne. Regardez, j'ai joué au loto depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'ai jamais gagné. Donc j'ai pas de mazal, c'est normal, parce que pour gagner au loto, il y a une chance sur 10 millions.
Donc c'est normal, il faut jouer pendant 10 millions d'années pour être sûr de voir gagner une fois. Bon, 10 millions d'années, laissez tomber, ne jouez pas au loto, donnez l'argent à la Tzedaka, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, donc lui, Rabbi Shimon ben Elazar, on s'est questionné, est-ce que lui, il est optimiste ou il est pessimiste? C'est possible qu'il se dise, ok, il y a 75% de juifs, mais il y a quand même 25% de non-juifs. Et peut-être que j'ai pas de chance. Peut-être que j'ai pas de chance. Et tant pis pour moi. Donc c'était ça le safek. La problématique, c'est de définir ce qu'avait dit ce grand maître Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que lui, il a parlé d'un cas facile, que si le Rov, c'est des goyim, donc je fais Yush, mais qu'est-ce que lui penserait s'il y avait le Rov de juif et un petit peu de goy? Donc normalement, une personne normale, eh ben, elle est optimiste, elle dit, ben, écoutez, trois chances sur quatre de gagner, ben, je tente. Mais je ne sais pas, est-ce que, je vous demande, hein, moi je me connais pas, dans la bourse, si vous avez 75% de chances de gagner, est-ce que vous investissez ou pas? Non, mais il y a Oui, ça dépend, 10 euros, oui, mais 100 000 euros, vous mettez? Non, ah, voilà. Donc voilà, Rabbi Shimon ben Elazar, il se dit, bon, alors, alors 70 000, bon, 10 euros, on est d'accord, parce que je peux gagner, mais 100 000 euros, je ne vais pas mettre 100 000 euros si j'ai 25% de chances de perdre. Hein? Oui, non, mais je dis la même chose. Une personne, des fois, elle se dit dans sa tête que bon, j'ai pas, c'est vrai que je peux gagner, mais je peux perdre. Donc, il est, et en plus, peut-être ça s'est perdu, peut-être il est tombé à la mer, quelqu'un a marché dessus, il l'a écrasé. Donc, il se fait des films dans sa tête et il se dit, je ne le retrouverai jamais. C'est ça le problème. Donc, celui qui a déjà résolu ce problème, il peut, ça y est, on a fini avec Mara, il peut aller étudier Maseret Kiddushin à côté. Mais celui qui n'a pas encore compris ça, ça vaut la peine de continuer encore quelques lignes pour comprendre ce sujet-là. Ok? C'est bien, c'est clair, la problématique, est-ce qu'elle est claire? Ok. Alors maintenant, quand on a une problématique dans la Gemara, rappelez-vous, on l'a déjà dit au moins maintes fois, on se tourne dans des enseignements qui ont été écrits soit dans la Mishnah, soit dans la Braïta, soit dans la Tosefta, dans tous les textes des Tanaïm, des maîtres de la Torah, qui ont été écrits dans les siècles. Et la Gemara, elle essaye de chercher. Elle cherche, voilà, dans ce livre, il y a écrit ça, dans ce livre, il y a écrit ça. Et on a tout ramené dans le même livre qui s'appelle la Gemara. Donc la Gemara dit Tashma. Tashma, ça veut dire déjà, qui c'est qui peut me traduire le mot Tashma? Voilà, ça veut dire viens écouter, ça veut dire viens. Parce que celui qui reste chez lui à la maison, il regarde le match, il regarde le film, il regarde les informations, il ne pourra jamais connaître la Torah. Viens, rien que tu viens, on te demande rien que venir. Tu viens, tu verras, tu vas tout entendre, tu vas tout comprendre. Ok, donc on lui dit, viens une seconde. On va essayer maintenant d'analyser un texte. Voilà deux points, ouvrez les guillemets, les paroles d'un maître, les paroles d'un des Tanaïm. Qu'est-ce qu'il dit? Matzaba Aveda, une personne qui trouve un objet perdu. Il a trouvé un objet dans la rue. Ça dépend. Im Rov Israël. Si la majorité des habitants de cet endroit-là, Israël, ce sont des Juifs, alors Hayav le Achiz, il a l'obligation, d'accord, la personne qui a trouvé, elle est tenue de annoncer la trouvaille, de dire, d'écrire des petits mots dans tous les synagogues, tout endroit, trouver, objet trouvé, venez le rechercher. Évidemment, il ne va pas dire exactement c'est quoi, parce qu'il faut donner un siman, mais il a l'obligation de le faire. Maintenant, dit la Braïta, la suite, Im Rov Nochim, mais cependant, si la majorité, ce sont des habitants, sont des non-juifs, alors, dans ce cas-là, Eno Chayav Lachiz, il n'a pas l'obligation d'annoncer sa trouvaille, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il met dans sa poche. Donc, a priori, dans cette Braïta, on a tout vu, on a bien compris que si 75% c'est des goy, je le garde dans ma poche. Si 75% c'est des juifs, eh ben je vais mentionner, je vais écrire objet trouvé, objet trouvé, objet trouvé. Et c'est ce que vous voyez là dans la diapo. On voit bien ici la différence. Rov Israël, obligation d'annoncer. Rov Nochim n'est pas obligé d'annoncer. Ok. Ah bravo, bravo. C'est la suite de la Braïta. C'est le début. C'est le début, et après il y a la suite, et quand on est moitié-moitié, imaginez-vous à Neuilly, il y a combien de personnes qui habitent?
Non, mais combien il y a de personnes en tout? Combien de gens habitent à Neuilly? 50 000. 25 000 juifs et 25 000 goy. Non, 50 000 juifs, laissez tomber les goy. Mais imaginons-nous que 25-25, alors c'est la suite d'Abraham qu'on verra tout de suite. Donc pour l'instant, on a parlé que dans la balance, ce n'est pas égal. Quand il y a le plus de juifs, alors il faut le rendre. Quand il y a le plus de goy, bah, tu le gardes. D'accord? Sur ce. Quand on parle de plus de juifs, est-ce que le chiffre 75 plus c'est 75 ou c'est peut-être 60 aussi plus? Oui, donc 60 c'est bien aussi. Quand c'est plus ou plus de 50. Exact. Même, je dirais même plus, 50,000000 et la femme tient. C'est plus, ça c'est plus. Exact. Alors, la Gemara elle dit, ah, voilà donc le fameux, la problématique qu'on avait la semaine dernière, elle va être réglée aujourd'hui, savoir, man, c'est quoi? Comment est Superman? C'est quoi man? C'est quoi man? Men. Un homme. Man, qui est cet homme-là? Shamatle, Shomea. De qui tu as entendu? Quel est l'homme que tu as entendu d'Amar qui a dit, Omer, va Yomer Hashem, d'Amar, Azlinan, en araméen, ça veut dire Azil, ça veut dire qui va d'après. Azil Bataruba, qui va d'après le Rov. Qui c'est qui va d'après le Rov? On avait bien dit que c'était Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, lui, rappelez-vous, il avait dit que si le Rov des Goïm, eh ben, c'est sûr et certain qu'il faut, on peut le garder. Donc c'est lui. Donc si le début de la Braïta, le début, est dit que si c'est le Rov des Goïm, on peut le garder. Donc la fin de la Braïta, si le Rov des Juifs, c'est dans cet endroit, il y a le Rov des Juifs, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit le mentionner. Donc on a bien compris que Rabbi Shimon ben Elazar, il fait une distinction, est-ce que le Rov des Juifs ou le Rov des Goy? Et donc le problème qu'on avait la semaine dernière, à savoir, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il parle même dans le cas où il y a le Rov des Juifs? Non, niet, c'est faux. Tiens, voilà une preuve d'ici. Parce que la Braïta, l'enseignement, elle nous dit bien la différence. Si le Rov des Goy, alors tu le mets dans ta poche. Si le Rov de Juif, tu le rends. Donc c'est qui parle là? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc c'est clair et net que lui-même, il fait une différence entre le Rov des Goy et le Rov de Juif. Pas comme on a voulu dire la semaine dernière, que même s'il y a le Rov des Juifs, il est, au lieu d'être optimiste, il est pessimiste. Et il dit, oh, je vais perdre. Non, tu ne vas pas perdre. Pourquoi tu vas perdre? 75% de gagné. Mais pourquoi tu vas perdre? Mais non, il faut pas. Il faut être optimiste dans la vie. Il faut voir la vie en rose. Souris à la vie. Et la vie te sourira. D'accord? Alors voilà. Donc voilà, on a réglé notre problème. Il a commencé que cette braïta de Rabbi Shimon. Non, parce que le début, c'est sûr que c'est lui. Puisque le début, la première partie, là, la fin, Rov Nochim. Rov Nochim, il a dit, c'est ça le cas qu'il a parlé, de Rov Nochim. Donc si le cas de quand c'est le Rov des Goïm, puisque quand c'est le cas de Rov des Goïm, on a dit qu'on peut le garder, donc si c'est le Rov des Juifs, il faut le publier. Ça, on sait que c'est signé Rabbi Shimon ben Elazar. Oui, bah, là, parce que la fin, c'est sûr que la fin. La fin, c'est ça sûr que... Autre... Ah, alors voilà, justement, on va voir. C'est très bien, bravo, je vois que ça va, c'est bon, t'es bienvenu dans plusieurs cours, c'est bon. Je vois, après de deux cours, c'est bon, tu as gagné. La Gemara répond, non! Ah, pardon, on va voir, on termine. Donc, qui dit une telle chose? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, Shmat Mina, nous pouvons entendre d'ici, qui Kama Rabbi Shimon ben Elazar? Quand Tess Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'on va d'après le Rov, ben Rov Nochim. On va d'après souvent le Rov des Goïm. Donc quand il y a le Rov des Goïm, bah c'est normal, 75% de chance que c'est un Goï, bah je me décourage. Aval, ben Rov Israël. Mais si on a 75% de chance de le retrouver, eh ben pourquoi voulez-vous que la personne elle soit pessimiste comme ça? Non, ben oui, je vais le retrouver. Donc il faut le publier. Donc a priori, 1-0. On a prouvé a priori que Rabbi Shimon ben Elazar, il fait une distinction entre Goy et Juif. Sur ce, Agmara répond, mais non, pas du tout, qui t'a dit? Comment c'est ton prénom, Rabbi? Comment c'est ton prénom? David. Ah, comme il a dit David. Comme le roi David. Comme il a dit le roi. Pardon, comme il a dit David. Qu'est-ce qu'il a dit David? Il a dit, oui, mais qui nous dit que c'est Rabbi Shimon ben Elazar?
Peut-être, en réalité, parce qu'il n'y a pas écrit l'auteur dans cette braïta, il n'y a pas écrit l'auteur. Qui est l'auteur de cette braïta-là? On a fait une distinction entre Rov des Goyim et Rov des Juifs. Ok, ça c'est clair. Mais qui est l'auteur de cet enseignement? On va dire Amani, ça va d'après qui? Rabbanani. Peut-être cette braïta, c'est Rabbanan. Et eux, ils font une distinction entre Rov Goy et Rov Goyim. Donc Tifshot Miné. Donc maintenant, ok, on est arrivé là. Rappelez-vous que la semaine dernière, on avait encore une deuxième interrogation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes les interrogations qu'on avait. On avait même cinq interrogations. On avait une deuxième interrogation, à savoir. Là, maintenant, on a bien expliqué Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, prenons Rabbanan. Si on va connaître, on va cliquer sur le site de Rabbanan. Monsieur Rabbanan, qu'est-ce que vous dites-vous? Qu'est-ce que vous pensez-vous? Dans quel cas il faut rendre? Dans quel cas on peut garder? D'accord? Dans quel cas il faut rendre? Dans quel cas il faut garder? Alors a priori, on aurait pu croire que les Chachamim, eux, c'est des super optimistes. À savoir, imaginons-nous que nous sommes dans un endroit où il y a 75% de goy. D'accord? Donc on a dit que Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il dirait? Ben écoute, 75% de goy, c'est n'importe quoi, tant pis pour moi. Mais Rabbanan, eux, ils pourraient dire, mais non, même si tu as une chance sur 1000 de gagner, eh ben pourquoi tu te désespères? Faut pas se désespérer, tu as une chance de vivre, tu as une chance de gagner, de retrouver ton stylo, de retrouver ton portefeuille, de retrouver ton passeport, de retrouver ta carte d'identité. Et confiance en Dieu. Et confiance. Donc on avait donc au début on a voulu dire, rappelez-vous la semaine dernière, que la marloquette qui est entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbanan, c'est mamash, c'est l'optimisme en mamash poussé à l'extrême, et l'autre c'est le pessimisme poussé à l'extrême. D'accord? On a voulu dire que Rabbanan, ils disent jamais, oh non, jamais, je désespère. Il suffit qu'il y ait un juif dans un million de goy, eh bien moi je désespère pas, il me dit mais c'est pas possible, tu ne viens pas à me dire que c'est le juif qui va trouver ton portefeuille parmi un million de goy, c'est sûr que c'est un goy qui va trouver. Non, ben il dit non, moi j'ai confiance, Hachem va me faire un miracle, et c'est un juif, et la preuve, c'est vrai que c'est le juif qui l'a trouvé, parce qu'on va dire qui c'est qui l'a trouvé, de quoi on parle, que le juif l'a trouvé. Mais pour l'instant, la personne ne sait pas qui c'est qui va le trouver. En tout cas, c'était ça l'enjeu. On avait deux enjeux. Savoir ce que disait Rabbi Shimon ben Elazar et savoir ce que disait Rahamim. Alors maintenant qu'on veut refuter cette preuve de cette braïta, on dit non, ça va comme Rabbanan. Ah, si ça va comme Rabbanan, si cette braïta va comme Rabbanan, donc on voit d'ici... Tifshot mina des modèles Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar berov nochim. De là, on voit qu'ils sont pas tellement optimistes les Chachamim. Ils disent s'il y a le rov de goy, qu'est-ce qu'on fait avec s'il y a le rov goy? Aréouchelo. Mais pourquoi si tu es optimiste? Non, mais et de la chance, peut-être tu as une chance, peut-être un coup de chance et tu vas le retrouver même s'il y a rien que 2, 3, 4, 60, 20, 25% de juifs, tu aurais pu le retrouver. Donc de là à dire que de cette braïta là, on a une chose sur deux. Si on dit que c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar, ok, alors on est arrivé à résoudre le premier problème. Et si on dit que ça va d'après Chachamim, on a résolu le problème B. De toutes les manières, on résolu ou l'un ou l'autre. Et bon, on peut pas encore statuer. On a dit voilà, c'est une preuve pour Rabbi Shimon ben Elazar. Non, ça va comme Rabbanan. Alors si comme Rabbanan, au moins tu peux statuer que Rabbanan, eux, dans Rov Goyim, ils diront ah bah alors écoute, Ariushelo. La Gemara elle dit non, en vérité tu peux pas, parce que moi je vais te trouver un cas maintenant. Tu vas voir ni une preuve pour la thèse numéro 1, A, qu'on a appelé tout à l'heure, ni une preuve pour la thèse numéro B. Et quoi? Cette braïta-là, elle parle d'un cas très, très particulier.
On va voir pourquoi. Et là, Léolam, on va dans les mots, on regarde dans les mots. Et là, Léolam, Jean-Paul, tu es avec nous dans les mots, tu nous montres. Bravo. Et là, Léolam, c'est ça le mot. Le mot clé. Léolam, je pourrais te dire, Rabbi Shimon ben Elazari, Vafilou Berov Israël Nami. Et lui, il pense que même dans le cas où il y a une majorité de Rav Israël aussi. Mais quoi ? Veacha Bemai Askinan. De quoi on parle dans cette braïta-là ? Betamoun. Alors regardez le petit la diapositive, le petit dessin là que a fait notre ami Yoni là. Il a fait un dessin là, comme ça. Vous savez, à l'époque, hein, on parle à l'époque. Hein. L'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ? Les gens, donc ils mettaient entre guillemets tous leurs débris, tout ce qu'ils avaient rien à faire derrière chez eux. Derrière leur muraille, c'était comme ça, on posait des choses qui ne servaient plus à rien. Et cet endroit-là, en réalité, c'était comme un dépôt poubelle, comme ça, on jetait les choses qu'on n'avait pas besoin. Mais cet endroit-là était aussi un endroit qui était très attractif, à savoir, quelqu'un qui voulait cacher quelque chose et être assuré que personne ne viendrait lui voler. Parce que quand vous cachez votre argent dans la maison, les voleurs, eux, ils savent que vous avez caché l'argent. Ou vous allez cacher dans un coffre-fort. Un voleur, tout de suite, il va dans le coffre-fort. Oui. Vous allez cacher votre argent dans votre chambre à coucher. Tout de suite, les voleurs, ils savent où aller. Parce qu'ils imaginent où il a pu cacher son argent. Mais si vous cachez votre argent dans une poubelle, jamais ils viendront chercher dans la poubelle. Si vous cachez votre argent dans un congélateur, personne ne va dire, ils ne vont pas chercher dans le congélateur. Et si vous avez caché votre argent dans le poulet, vous avez fait un poulet rôti, vous avez mis les billets de 500 euros dans le poulet rôti et vous l'avez mis au congélateur. Je vous garantis que personne ne viendra les chercher. Personne ne va les chercher là-bas. Parce que il est fou. Il va mettre son argent dans un poulet. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils faisaient à l'époque. À l'époque, il y avait des gens qui se disaient, où je vais mettre mon argent ? Où je vais mettre mon argent ? Où je vais le mettre ? Je ne vais pas le mettre où ? Je vais mettre où c'est que je vais le mettre ? Si je le mets chez moi à la maison à l'intérieur, vous savez, il a une belle maison là-bas. En plus, il a la souka. Regardez, il a une souka là-bas. Il a la souka. Il n'avait pas encore démonté la souka. Donc, il avait une super maison. C'est un duplex, bait vegan. Il y a tout ce qu'il faut là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout le monde va le voler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a caché son objet dans cette décharge. On dit une décharge derrière chez lui. Les gens, ils jettent des choses. Là-bas, personne ne viendra chercher. De ça qu'on parle, tamoun, un objet qui est enfui. On parle ici que quelqu'un a caché. Donc en réalité, ce n'est pas quelque chose qui a été perdu. Ce n'est pas quelque chose qui a été perdu. C'est quelque chose qui a été caché. Si ça a été caché, il ne fera jamais eu. Il est où, le propriétaire ? Ah, bravo ! Alors la Gemara demande, bravo, bonne question. Bravo. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Ibetamoun. Si c'est quelque chose qui est caché, donc si toi tu passes et tu vois que quelqu'un a caché quelque chose sous je sais pas, des vieux meubles ou des trucs comme ça, il l'a caché là-bas, tu n'as pas le droit de toucher, ça, c'est pas à toi ça. C'est du vol ça, c'est carrément du vol. On n'est plus dans le cercle de trouvailles. J'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'il s'est découragé, pas de quoi. On parle ici quelqu'un a caché un objet chez lui ou bien derrière chez lui et quelqu'un il vient, il le prend. Il dit, mais si ça parle de quelque chose qui est caché, Maïv dégavé, qu'est-ce qu'il est en train de prendre quelque chose. C'est pas à toi, ne touche pas mon cher ami. T'as pas le droit de toucher. C'est du gazelle, c'est du vol manifeste. Donc, on va avoir un cas comme ça. Un cas comme ça, c'est pas un cas de quoi on parle depuis quelques mois. On parle de quelqu'un qui a perdu un objet. C'est un objet perdu, mais ça, c'est pas un objet perdu, c'est un objet caché. Un objet qui a été enfui pour le dissimuler des yeux de tout le public. Donc, toi, tu l'as. Bon, il s'est peut-être. Il a remarqué qu'il y avait quelque chose, mais tu touches pas. Tu sais, c'est quelque chose que quelqu'un il a mis, il a caché. Elle m'a dit non. Ah non, on n'a pas le droit de faire ça. Et la preuve, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça? Toujours, bien que c'est des choses évidentes, toujours on amène une preuve. Parce que Batnan, parce qu'il est écrit, écoutez, encore plus que ça, que Matsa Keli Be'ashpa, une personne qui a trouvé, ben exactement comme dans notre cas, dans une décharge, Merousse,
Si elle est cachée, vous voyez, il y a deux manières. Il y a quelque chose, il y a dans une décharge, il y a des choses qui sont découvertes, il y a des choses qui sont cachées. Donc des choses qui sont découvertes, bon, c'est-à-dire qu'il les a jetées, abandonnées. Mais les choses que tu vois qui sont cachées, quand il les a pas abandonnées, il les a cachées là-bas, parce que c'était évidemment, ce sont une décharge que personne ne vient, c'est pas que tous les lundis on ramasse les poubelles, on ramasse tout ça, c'est quelque chose qu'on reste là-bas, ça reste tout le temps là-bas. Donc les choses qui sont découvertes, eh ben tu as le droit de les prendre. Mais les choses qui sont recouvertes, eh ben tu as le droit de les prendre. Donc on voit bien ici que les choses qui sont cachées, tu n'as pas le droit de les prendre. Alors de quoi on parle ici? Nous, on a voulu éviter la problématique de Rabbi Shimon ben Elazar. Rami, on dit attends, ici on parle pas de ça. On parle d'un objet qui était caché. Nous, alors s'il était caché, alors tu vas en toucher. C'est pas une réponse, ça, alors. Donc, de quoi on parle, alors? Si l'Europe des goyim, ici c'est l'Europe des juifs, comme ça. Mais zéro, tu touches pas. C'est pas toi, c'est du vol manifeste. Réponse. Kedéamara, papa. Aïe. On parle d'un cas ici. Voilà le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qui s'est passé. Donc, on était, donc, comme on a dit, derrière chez lui la maison, il avait ce monticule de. Voilà, d'objets abandonnés qu'il avait mis derrière chez lui. Et il utilisait ce petit monticule-là pour cacher, dissimuler des objets là-bas. Quand il avait besoin de quelque chose, tac, il le mettait là-bas, il dit, personne ne va le voir, personne ne va chercher là-bas, c'est des choses que personne ne passe, personne ne fait attention. Et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a caché là-bas, et puis il a décidé un jour d'appeler la mairie, la voirie, il dit, allez, on débarrasse tout. Et il y a eu le camion de la mairie qui commence à venir et prend tous les objets, comme on voit là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, ils sont en train de débarrasser tous les objets qui traînent sur le passage. Et alors, ce qui s'est passé? Donc, on est en train de débarrasser. Et toi, tu passes par là-bas et qu'est-ce que tu vois? Tu vois soudain un objet qui était caché. Et qui maintenant, du fait que la personne il est en train de débarrasser tout, d'accord, tu vois des objets qui étaient cachés, que tu les trouves, tu les trouves qu'ils sont en train, bien dans deux minutes, ils vont se retrouver à la déchetterie municipale, ils vont être brûlés, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je ne dois pas toucher, je ne dois pas toucher. Mais t'es fou! Mais si tu ne touches pas, si tu ne le prends pas, eh ben ils vont dans deux minutes, ils vont se retrouver dans la déchetterie municipale, ils vont les brûler, ils vont faire du recyclage et mes billets de 500 euros, qu'ils vont se transformer en quoi? Je sais pas, en crayon pour un petit Africain qui se retrouve là-bas, je sais pas, aux Zambie là-bas. Mais si c'est 500 euros, avec 500 euros, je peux lui acheter pas un stylo, je peux lui acheter tout Auchan. Alors moi, imaginez-vous, donc vous avez votre camarade, vous savez que c'est votre camarade, là, il habite à côté, là, c'est votre ami, là, il habite là-bas. Et lui, il a caché des choses. Et vous passez là-bas, et soudain, vous voyez que la mairie commence à prendre tous les objets en train de les amener. Et vous voyez des billets de 500 euros, là. Qu'est-ce que vous faites? Non, je ne touche pas. Non, il les a cachés, je ne peux pas en toucher. Mais oui, tu as le droit de les toucher. Parce que dans ce cas-là... Il est obligé, parce que dans ce cas-là, lui, c'est vrai qu'il les a cachés, mais il ne pensait pas qu'on allait venir et les mettre dans la poubelle. Lui, la personne qui a pensé, il pensait que ça allait rester ici jusqu'à la fin des temps. On dit, voilà, j'ai une super cachette, chapeau, je vais. J'ai le coffre-fort, la BNP, il met là-bas son argent. Mais soudain, après, je sais pas, le maire de la ville a dit, non, il y a trop de trucs qui traînent dans cette maison, dans cette ville, on va un peu nettoyer tout ça. Il a amené des camions et chacun commence à venir. Donc nous, on passe et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le prendre, parce que de le laisser, c'est vrai que si cette chose-là ne bougeait pas, j'ai pas le droit de toucher, parce que c'est caché, c'est une cachette. Je touche pas les choses qui sont dans une cachette. Mais là, la cachette a été dévoilée, il n'y a plus de cachette. Donc, s'il n'y a plus de cachette, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un objet qui va se perdre. Donc, c'est encore une fois une aveda. Si je ne le prends pas immédiatement, cet objet va partir dans la déchetterie municipale. Je ne vais plus jamais le retrouver. Et la personne va le perdre. Donc, qu'est-ce que moi, je dois faire? Je suis obligé, je suis responsable de rendre cet objet à son
propriétaire. C'est normal. Pourquoi j'ai besoin de ton propriétaire? Parce que sinon, de fermer les yeux, de fermer les yeux du roi, c'est mon problème, c'est une cachette. C'est une cachette, touche pas. Mais une cachette, si on a dévoilé la cachette, c'est plus une cachette. Parce qu'une cachette, c'est quand on s'est caché. Mais c'est lorsqu'on a trouvé la cachette, on a dévoilé la cachette, c'est plus une cachette, c'est dévoilé. Donc, dans ce cas-là, de ce cas-là, nous parlons. Et donc, on a bien compris que dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de faire la fine bouche et de dire ah non, je touche pas. Tu touches, et combien tu touches? Tu vas le garder. À Hanami, et qu'on a, c'est la même chose. Donc, ici aussi. Hein? Il doit, alors justement, dans ce cas-là, il faut rendre à son propriétaire. Et si la maison, ça appartient à un juif, alors tu rends au juif. Et si la maison, cette maison qui appartient à un goy, ben tu le gardes dans ta poche. Non. Ben oui, parce que c'est la cachette de qui? La cachette de le propriétaire de la maison. Vous avez compris? Non, ça veut dire qu'on peut... C'est pas très moral. Pourquoi? Parce que. Ça appartient à un goy, je peux le garder, ça appartient à un juif, je sais pas, ça me choque. Ah oui, mais ça fait depuis 3 mois que ça choque. C'est pas aujourd'hui que ça choque. Pourquoi le goy, on ne le rend pas? Hein? Si ça appartient à un goy, pourquoi on le rend? Parce que si le goy nous le rend, si on le perd, alors nous, si on lui rend. Mais si lui ne le rend pas, on va le rendre. Ok? Vibaïteman, deuxième manière de répondre à cette question-là. Deuxième manière de répondre à ces questions, qu'en réalité, Léolam Rabana, en vérité, on peut dire une deuxième réponse. Sa première réponse, bon, c'est vrai que c'est une réponse un petit peu fantaisie, puisqu'on a trouvé un cas vraiment exceptionnel, que quelqu'un, c'était une cachette, et la cachette, elle n'est plus devenue une cachette, et donc dans ce cas-là, on a trouvé le système. Maintenant, un système beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour répondre à cette question, et dire la chose suivante. Viba et Tema, Léolam Rabana. Toujours, on pourrait te dire qu'il s'agit ici de Rabbanan. Mais lorsqu'on a dit que si le rov des gens, c'est des juifs, alors il faut le rendre. Et si le rov, c'est des goy, tu peux le garder. Qu'est-ce que ça veut dire Are Eulu Shelo? Mikatane a M Shelo, il n'y a pas écrit que ça, lui. Il y a écrit Eno Chayav Lachiz. Il ne faut pas le mentionner, mais c'est pas à toi. Tu n'as pas l'obligation de le publier, mais tu n'as pas le droit non plus de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est possible, même s'il y a 75% que ça appartient à un goy, tu peux pas le garder. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 25% que ça appartient à un juif. Et s'il y a 25% que ça appartient à un juif, est-ce que tu as le droit de prendre? Imaginez-vous que vous trouvez quelque chose et toute votre vie vous dites, mais ce stylo, peut-être c'est un juif qui est en train de se lamenter d'avoir perdu. J'ai le droit, moi, d'utiliser ça. Mais j'ai pas le cœur de faire ça. Parce que comment je peux voir mon frère qui est en train de pleurer? Moi, je suis en train d'écrire au stylo, en train de signer des chèques et lui est en train de pleurer parce qu'il n'a pas besoin de stylo. Je peux pas faire ça. C'est vrai que j'ai pas l'obligation d'aller mentionner plus qu'à 75% de chance que ça n'appartient pas à un juif, mais il y a quand même 25% de chance que ça lui appartient. À ce juif-là. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Vous savez comment l'attitude que je dois avoir? J'ai pas besoin d'aller le publier, mais je n'ai pas le droit non plus de l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde ce stylo dans une petite armoire, et j'attends que un juif vienne vienne et voilà, c'est un gars qui dit, oh là là, j'ai pas trouvé mon stylo, vous avez pas trouvé mon stylo, les amis, écoutez, c'est un super stylo, j'adore mon stylo, je cherche mon stylo, vous avez pas trouvé, ah, t'as pas un stylo? Moi, je viens et je te dis que j'ai trouvé un stylo. Pourquoi? Parce que pour obliger quelqu'un à mentionner et à faire des affiches, moi, une tête, j'ai trouvé un stylo, ça, il faut qu'il y a au moins le rov des juifs. Mais dans le cas où il n'y a pas l'Europe des Juifs, je n'ai pas besoin de le faire. Parce que 75% que c'est un goy, je n'ai pas besoin de me fatiguer, moi, pour 75% de chances que ça va mener à rien. Mais le fait qu'il y a 25% de chances que ça appartient à un juif, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Parce que pour utiliser quelque chose, il faut du 100%. Je n'ai pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Pour que ce soit quelque chose à moi, il faut que ce soit 100% à moi. Mais si j'ai 75% que c'est à moi et 25% de chances que ce n'est pas à moi, je ne peux pas l'utiliser. Donc, d'aller me fatiguer et faire des affiches, non.
mais le tuniser non plus. Je n'ai pas le droit de faire. Qu'est-ce que je fais alors? Alors tu le gardes. Jusqu'à 120 ans. Et après 120 ans, tu donnes à tes enfants, à petits-enfants, petits-enfants, jusqu'à quel il y a mon avis. Les enfants, ils le gardent ou ils peuvent... Non, ils doivent le garder. Ils le gardent aussi, ils l'utilisent pas. L'utilisent pas. Jusqu'à qu'il y ait un avis vient et nous dit à qui appartient cet objet. Voilà comment ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ça la règle. La règle, elle est la suivante. Nous n'avons pas le droit d'utiliser un objet tant que cet objet-là, on n'a pas une certitude que cet objet-là nous appartient. S'il reste un chouïa, un macho, un tout petit peu de chance que ça ne m'appartient pas, je ne touche pas. Je ne touche pas. Moi, je ne prends pas. Moi, tout ce qui m'appartient, c'est à moi. Mon iPhone, ça m'appartient. Mon stylo, ça m'appartient. Mon Mac, mon ordinateur, ça m'appartient. Ça m'appartient. Ce qui m'appartient, ça m'appartient. Mais si j'ai une chance, peut-être ça m'appartient, peut-être ça ne m'appartient pas. Bon, il y a majeure partie de chance, il y a une très grande chance que ça m'appartient. Oui, mais il y a aussi une chance que ça appartient à quelqu'un d'autre. Il faut une enquête. Ah oui, mais... Une comment faire une enquête si on savait? Tu viens de trouver un stylo, tu fais une enquête, tu vas prendre un avocat, tu vas mettre le FBI, tu vas mettre tout pour un stylo. Je te garantis que ça va te coûter plus cher que le stylo. Il prend le statut de chômeur rénal ou pas? Ah, bravo, oui. Avec la question de Pshia. Ah oui, ça c'est une bonne question. Alors maintenant, le problème c'est que lui, il le garde, ok? Il le garde. Alors maintenant, notre problème c'est qu'on le garde. Mais je dois le garder combien? Dans la banque? Je dois le garder sous mon matelas? Comment je dois le garder? Alors, écoutez bien ce que dit la Gemara, c'est un peu plus tard dans le troisième Pérec. Elle dit que je suis sommaire Sahar, mais je ne gagne pas d'argent. On ne me paye pas d'argent. Je fais vraiment, vraiment au-delà de ce qu'un homme fait. Et en plus, on me dit, tu as reçu un salaire. Quel salaire j'ai reçu? Je n'ai pas reçu de salaire. C'est une galère. Altikré salaire, la galère, c'est une galère ça. En plus, je dois garder pendant 120 ans. Après, je dois donner à mes enfants. Gardez-le. C'est le titre pour avant de mourir. Je dis, attendez, une seconde. Attends, je ne meurs pas, une seconde. Tu sais, le stylo, là, le truc qui est dans l'armoire. Attention, gardez-le. Qu'est-ce qui pense ça? Réponse, oui, parce que chaque fois, tant que tu gardes, tu fais une mitzvah. Tu es payé par Hachem. Tu n'es pas payé par la personne. Parce que la personne va par contre te payer de l'argent de devoir garder ce stylo. Mais Hachem, chaque jour que tu gardes ce stylo dans ta poche, dans ton tiroir, dans ton armoire, tu fais une mitzvah. La mitzvah, c'est Hachem qui te paye. Donc le fait que tu fais une mitzvah, c'est comme si Hachem te paye de l'argent. S'il te paye de l'argent, tu es chômeur sachar. Tu es un chômeur sachar, tu es chaya, begneva, beaveda. Si on lui vole, par exemple, tu dois payer. Il doit payer. Non, Pshia, tu es sûr. Non, même sans Pshia. Si, par exemple, après, on est rentré chez moi, on m'a volé le stylo. Alors après 10 ans, quelqu'un me dit, c'est moi le stylo. Tu peux me... Écoute, moi, je te l'ai gardé 10 ans. D'abord, tu dois me payer pour parce que tu te gardes 10 ans. Et en plus, après, c'est pas ma faute. Il y a des voleurs, ils ont volé. Ils n'ont pas volé un stylo, ils ont tout volé à la maison. Je suis rentré, il n'y avait plus rien. Oui, mais tu vas me payer le stylo. Hein. Paye. 20 centimes d'euros. Fais un chèque, 20 centimes d'euros. Non, mais imaginez-vous que c'est un stylo en or, bien en argent. Allez, on avance à votre taille. Vous avez compris? C'est beau comment ça marche. Allez, on est maintenant un nouveau. Allez, on va passer un petit peu à un autre sujet, un autre cas de figure. Maintenant, on va aller un petit peu, parce qu'on a un peu soif. On ne boit plus ni du coca, ni du. Voilà, du fontan et tout ça. On va boire un peu de vin. Allez, on rentre dans la souga du vin. Tashma, Dama Rav Assi. Parce qu'un maître nous a dit, ça s'appelait Rav Assi. Écoutez bien le cas de figure cette fois-ci, on parle d'un cas. Matsa Chavit Yayin Bahir. Quelqu'un passe comme ça, voilà, vous voyez comme un peu la photo là. Et il voit une photo, un tonneau de vin, il dit Mazal Tov. Wow. Regarde un peu ça, c'est hyper beau. C'est un truc de malade, ce truc-là. Comment ça peut coûter? Vous savez combien il y a de litres de vin dans un tonneau? Il peut faire un super mariage, là. Un mariage pour son fils, là, avec de quoi boire pour tout le monde, là. Alors, mais ça dépend. Donc, le tonneau, il a trouvé un tonneau plein de vin. Donc, il dit, c'est à moi. Mais attendez, le tonneau, il appartient à qui, là? D'où vient ce tonneau-là? Est-ce que c'est du vin cachère?
ou bien c'est du vin pas cachère. Si c'est du vin cachère, c'est super parce que le vin cachère, non seulement je peux le boire, je peux le distribuer, tout ça. Mais le vin pas cachère, je peux rien faire. Ça sert à rien. Un vin pas cachère, du vin d'un goy, il est assourd de boire. Et en plus, je peux même pas le vendre. Je peux même pas le revendre ou bien essayer de le troquer avec quelque chose d'autre. Je peux rien faire. La seule chose que j'ai à faire, de le prendre et jeter à la mer. Même pas l'offrir. Même pas l'offrir à un goy. Ça se sauve à un, on n'a rien d'autre à faire. Donc comment on va faire? Comment moi, trouveur, moi, qui passe dans la, vie, dans la rue et je vois ce tonneau de vin? Comment on peut savoir si c'est caché ou pas? Il y a un moyen de savoir. Comment je peux savoir si c'est caché ou pas caché? Avec Maradis, ça dépend. Ça dépend où tu l'as trouvé. Si tu l'as trouvé dans une ville où l'Europe des gens là-bas, ce sont des goyim, à Neuilly. Ben, 75% de goy, 25% de juifs, sympa. Sûrement c'est de goy. Mais si tu l'as trouvé à Netanya, tu l'as trouvé à Beit Vegan, bon, combien il y a de juifs? 80%. Combien il y a de goy? Peut-être 5%, peut-être, je ne sais pas combien en tout. Il y a des Russes, il y a des Palestiniens, il y a ceci, combien il y a? Je ne sais pas combien. Alors, on va dire, allez, 85% de juifs et 15% de goy, ou un peu moins. Dans ce cas-là, je dis que c'est cachère. Ah, mais il y a quand même une chance que ça appartient à un Palestinien, ou bien ça appartient à un Philippine, ou je ne sais pas, ça appartient à X ou Y, j'ai le droit de le boire. Si le Rov, c'est des gens qui habitent dans ce village, dans cet endroit-là, c'est des goy, j'ai rien le droit de faire. Si c'est des juifs, je le prends, je le bois, boré près à Geffen, et n'oublie pas à la fin de faire à la Geffen de la pèlerine. Parce que beaucoup de gens, ils font la première bracha, mais après ils oublient la dernière. Parce qu'ils ont tellement bien mangé, ils disent, merci Hachem, et ils vont dormir. Non, à la Geffen, de la pèlerine. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Une fois, attention, je vous donne la réponse. Une fois, un jour, il y avait l'oncle de ma femme, Zichrono Livracha. Alors lui, il disait toujours comme ça. Il disait, moi, le soir, là, en après-midi, je mange toujours du pain. Il dit, pourquoi? Parce que moi, bon, on va manger une entrée, on va manger une salade, on va manger le repas, on va manger des gâteaux, on va manger un dessert. Tout ça, on va manger tout ça. Et qu'est-ce que je veux dire à la fin? Boré nefashot rabot verson. Trois mots, tu as dit trois mots? Tu as mangé tout ça, tu dis trois mots? Non, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai tellement mangé, il faut que je fasse une grande bracha. Je fais Birkat Amazon. Je ne peux pas dire merci Hachem. Quand tu dis, quelqu'un t'a donné, quelqu'un t'a donné un verre d'eau, bon, boré nefashot. Mais il t'a donné un verre d'eau, du Coca-Cola, et du vin, et des gâteaux, et de la viande, et du poisson, et ceci, et cela. Et comment tu dis merci? Boré nefashot, rabot verson, comment boré nefashot? Comment tu dis ça? C'est un merci, c'est pas un merci. Tu l'envoies une lettre. Mais voilà, je voulais vous remercier pour votre don, etc. Une belle lettre, etc. Accompagnée d'une sarfa. Allez, on continue. Si je le trouve dans une majorité, pourquoi je n'ai pas l'obligation de le rendre? Normalement, il y a la loi de la majorité des juifs. Plutôt que de le voir, je ne peux le rendre. Même s'il est réputé cachère. Oui, mais si, parce qu'ici, on parle ici qu'il n'y a pas de siman, Ici, on parle que c'est un tonneau où il n'y avait aucun siman. Ici, on parle maintenant, on ne parle pas maintenant de Laurent. On parle ici qu'il n'y a aucun siman. C'est un tonneau quelconque. On ne voit pas un tonneau. Il y en a 50, il y en a pas. Tous les tonneaux, c'est les mêmes. Quel siman, le tonneau? Comment vous êtes? Ah oui, bon, excuse-moi. Dans la vérité, c'est là, je n'ai pas fait exprès. Alors, dis la Braïta, mais c'est vrai, vous avez raison. S'il y a un siman, il faut le rendre, évidemment. Mais on parle ici, vous trouvez un tonneau de vin, c'était parce que dans cette ville, tous les tonneaux, ils avaient du bleu. C'était ça le truc. Ah, mais l'endroit, ça ne suffit pas, on a vu. L'endroit où il est posé, exactement. Ah, là-bas, on avait vu, mais c'était rien que dans les rivières. C'était au bord des rivières, on avait vu que au bord des rivières. Dans les Champs-Élysées, après le 13e arbre. Oui, non, on avait dit, oui, je disais derrière, on avait dit que c'est quoi, parce qu'il y avait, on va dire, que dans une rivière, dans un endroit où les personnes déposaient, mais là, c'est perdu comme ça, en plein milieu d'un champ. Comment on peut perdre un tonneau de vin? Comment on peut perdre un tonneau? Il l'a déposé là-bas, il l'a déposé, il l'a oublié. Il sait qu'il l'a déposé, on ne peut pas
Non, il a oublié. Parce que il pers- a pas 10, oui, non, parce que vous avez raison, mais on ne peut pas déposer un tonneau de vin dans un endroit public. Si vous déposez, c'est vrai que, comme on avait dit tout à l'heure, si vous le prenez, vous mettez derrière un arbre, derrière, dans un petit un renfoncement, donc on voit que vous l'avez déposé. Mais quand vous l'avez mis en plein milieu d'un public, comme d'un endroit public, c'est quelqu'un qui l'a posé, il l'a oublié là-bas, il est parti. Et de toute façon, il n'avait aucune chance de le retrouver. Et donc, dit la Gemara, Matsa Havit Yain, il a trouvé un tonneau de vin, Be'ir Shiruba Nochim, dans une ville où la majorité des gens sont des goy, Muteret Mishumitsia, il peut la prendre. Mais il peut le prendre, mais il ne peut pas l'utiliser. Ah, bravo! C'est la Gemara demandé, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Je le prends et qu'est-ce que je vais en faire? Je le jette à la poubelle, je le laisse, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Vous savez, aujourd'hui, on va pas, vous savez, il faut pas perdre son temps à ne rien faire. C'est ce que la Gemara va dire dans un instant, c'est la question de la Gemara, dans un instant. Maintenant, Ba Israël, Benatan Basiman. Mais maintenant, si toi, tu n'as pas vu le Siman, mais il y a un juif qui dit, et dis-moi, le tonneau, dit, ouais, mais un tonneau, mais tu n'as pas bien vu. Regarde derrière, là, derrière. Tu vois derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, regarde, j'ai mes initiales. Oh, ben alors, je n'ai pas remarqué ça. S'il y a un juif qui vient et qui lui donne ce siman qui n'était pas visible, dans ce cas-là, Moteret Bishtia le Motsa. Celui qui l'a trouvé, il a le droit de le boire. Mais il n'a pas besoin de le rendre. Pourquoi? Parce que c'est un siman qui n'est pas un siman. Parce que pour que ce soit un siman, il faut que ce soit quelque chose qui est visible. Mais si toi, tu as fait un signe que personne ne peut connaître ton signe, par exemple, tu as fait trois traits. Trois traits, ça ne veut rien dire. Il a fait sur le bois trois traits. Ça ne veut rien dire, trois traits. Bon, toi, tu l'as fait. Mais toi qui as perdu cet objet-là, tu savais pertinemment que celui qui va le trouver, il va le prendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va voir, il va chercher le signe distinctif. Attends, il y a peut-être qu'il y a des initiales, peut-être qu'il a laissé son numéro de téléphone, peut-être qu'il a laissé quelque chose qui est visible. Il n'y a rien. Ouais, les traits, mais les traits, ça ne veut rien dire. Les traits, peut-être que c'était un vieux tonneau. Non, pour que ce soit un siman, il faut que ce soit quelque chose qui est visible. Mais si toi, tu t'es fait un siman qui est invisible, rien que toi, tu le connais, personne ne le connaît, donc, si tu le perds, tu dis, personne ne va le retrouver, même si quelqu'un le retrouve, il ne le rendra jamais, parce que ce n'est pas visible. Donc, de toutes les façons, cet objet, il est perdu. C'est bizarre, parce que le siman, il est suffisant pour me dire que le vin est cachère, ouais. Pour identifier oui. Qui ça vient, ouais. Mais il n'est pas suffisant pour que lui, il prétende... Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été métièche. Pourquoi? Parce que le siman, moi je te crois que c'est à toi, mais je te crois aussi que pendant ce laps de temps, tu t'es découragé. Donc si tu t'es découragé, donc c'est plus à toi. Mais c'est vrai que c'est à toi, mais en même temps c'est plus à toi. Si je veux, je peux te le rendre, si j'ai envie de te le rendre. Mais c'est plus à toi parce que tu t'es découragé. Dès que tu as fait Yush, c'est plus à toi. Donc quand il vient lui donner ce siman, c'est juste pour lui permettre de pouvoir le boire. Exactement. Hein, qu'il lui permettra, j'espère, de boire. Elle vient boire un coup avec moi. Sinon, le gars, il dit, je t'ai donné le siman et en plus, tu ne me donnes même pas un verre d'eau, un verre de vin. Comment? Si c'est le juif, il dit, c'est à moi. Hein, c'est pas le juif, c'est pour la majorité de Gaulle. Le juif, alors, il peut le prendre. Il peut le boire et tout. C'est sûr. Et s'il n'est pas cachère. C'est vrai qu'il n'est pas cachère. S'il appartient au Gaulle. Mais non, mais si l'Europe, c'est des juifs, c'est cachère. On prend le risque, toujours une chance. On prend le juif. Ah oui, parce que la Torah va d'après l'Orov. Tout va d'après l'Orov. Si l'Orov. Non, pas le rang cacheur. Mais la Torah, elle dit, il faut voir d'après l'Orov. On peut voir un tonneau cacheur pour provoquer un peu. Demain, on trouve un tonneau à Natania de vin. Je comprends. Elle ne veut pas boire. Non, mais parce que on parle ici de gens qui sont chômeurs Torah ou mitzvot. Mais dans un endroit où. Il y a des juifs, mais par exemple, qui prennent la voiture Shabbat ou bien qui ne font pas les mitzvot. Ça ne sert à rien des juifs. C'est un juif qui n'est pas chômage Shabbat, qui touche le vin, c'est mais pas ça, c'est pas truc. Mais si on le trouve, c'est pour ça que je dis, on le trouve dans un endroit à Beit Vegan, eh ben on le boit. Hein. À Beit Vegan, il n'y a aucun problème.
Moi, j'ai aucun problème, c'est tous des juifs. Vous pouvez vous trouver dans un endroit où il n'y a que des juifs qui font les mitzvot, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, mais c'est une chance sur 10 que ce soit un vin qui n'est pas caché, on risque de voir un vin caché. Oui, c'est sûr, parce que dans la Torah, toujours on va d'après le rov. Il n'y a jamais une certitude. Ça n'existe pas une certitude. On va, si le rov des chances, c'est que c'est caché, c'est caché. La Torah dit comme ça. Si c'est caché, c'est caché. Le rov, on va toujours, dans la Torah, c'est le rov. On ne fait jamais. L'assurance, c'est rien caché. Les gens qui disent, je vais m'inscrire d'assurance vie. Le jour où il s'inscrit d'assurance vie, il est mort. Oui, l'assurance vie, c'est HM. L'assurance, c'est HM. On peut pas l'assurance. Non, on n'a qu'une assurance. Moi, j'aime, on dit, voilà, si tu vas d'après ce qui semble être juste, ceux qui semblent être juifs, si le rov, c'est des juifs, alors c'est juif. Alors, continuons. La loi française, elle ne fait pas bien de faire ça, le jour, la loi française. De prendre, s'il y a un rov de... Je connais pas la loi française. Moi, je connais rien que la loi de la... Je ne sais pas que... Il n'y a pas de mitzvah dans la loi française. Un objet perdu, tu as le droit de le prendre. Non, mais c'est le propriétaire. Oui, après, il y a un élan de cœur. Il y a des gens qui ont un élan de cœur, qui le rendent. Au bout d'un an et un jour. Dans les propriétaires, au bout d'un an et un jour. Ah ouais, ouais. C'est la règle. Mais on le garde. Mais on ne peut pas l'utiliser pendant un an et un jour. Il y a un endroit qu'on appelle un peu des Moréas où on va porter les objets trouvés. Là, on met votre nom. Si le propriétaire n'est pas venu le chercher, il vous appartient en plus d'un an et un jour. Ok, merci. Allez, on continue. En tout cas, Agmara dit Keman, ah voilà, donc on qui c'est qui a pris le rov? Donc on va le rov des Goïm. On a dit que c'est. On aura de le prendre. Ça va comme qui? Encore une fois, encore Rabbi Shimon ben Elazar. Agmara dit Shmatmina. De là, nous voyons. Quand est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, on revient à la même chose qu'on a dit au départ. Quand est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'on va d'après le rov? C'est pour les Goïm. Mais le rov d'Israël, non. La Gemara dit, non, Léolam et Malar, Rabbi Shimon ben Elazar, filou le rov d'Israël n'a mis qu'à Amar. Mais quoi? Veravasi, ça va à la Gvate Bechada ou Pligia la Bechada. En réalité, on aurait pu dire que Rabbi Shimon ben Elazar, en réalité, lui-même, perso, lui, il pense que même le rov d'Israël n'a mis, la personne, elle se décourage. Parce qu'on a dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il est pessimiste. Mais Ravasi, parce que là, ce n'est pas la vie. Du Tana lui-même. On parle de Ravasi. Ravasi, lui, il fait une distinction entre la majorité des non-juifs et la majorité de juifs. Alors là, maintenant, la question que vous avez demandé, monsieur Elia. Vimichara de Asira Be'ana. Mais de toute façon, cet objet-là est interdit d'en tirer profit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu sais quoi? Ah, c'est à toi, Mazatom, mais tu peux rien en faire. Qu'est-ce que c'est à moi? À moi, je peux rien en faire. Qu'est-ce que je veux que je. Si c'est à moi, c'est que je peux en faire quelque chose. Si on me dit, c'est à toi, mais tu peux rien faire parce que c'est du vin interdit à la consommation, pas simplement de boire, mais même d'en tirer profit. Alors, à quoi ça sert de nous dire que c'est à toi? Réponse, Amaravasi le kankena. Ça veut dire kankena, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une différence. Regardez, dans le tonneau, il y a le contenu, le contenant. C'est-à-dire, le vin, il est interdit. Mais le tonneau, la bouteille, elle est permise. Il suffit de la laver. Il suffit de laver le tonneau. Parce que des fois, il peut y avoir des résidus de vin collés sur les parois. Vous lavez le tonneau et gardez le tonneau. Le tonneau, c'est que vous avez de l'argent. Donc, quand on nous dit, si le rov, c'est des goïms, c'est à toi. Mais tu ne peux pas tirer profit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à toi et qu'est-ce que tu as pour ton vie? C'est à toi le tonneau lui-même, mais tu ne peux pas tirer profit du vin. Donc c'est ça que c'est ça qu'on vient nous donner comme information ici. C'est qu'on peut partager la part en deux. Le tonneau lui-même, il est à toi, mais le contenu, le vin qui se trouve à l'intérieur, celui-là, tu ne peux pas l'utiliser. C'est un goy. Je peux donner le vin à un goy? Non, on ne peut pas. On peut pas donner. Je le jette alors. Ah oui. Encore un petit cas et on termine avec ça. À Ougavra, écoutez bien, on termine avec c'est une très belle histoire. À Ougavra, il y avait une fois un homme, des Ashkar, il a trouvé Arba Zouzé, il a trouvé 4 Zouzim. Zouzim, c'était des pièces d'argent. À l'époque, ce n'était pas les euros, ce n'était pas les francs, ce n'était pas le dollar Zouzé. Bientôt, peut-être Hollande, il veut bientôt faire changer. Il a mis de toute façon la France à plat ventre, alors peut-être il a dit maintenant on va changer l'euro, on va faire les Zouzé. Allez savoir ce qu'il va faire.
d'Ashkar. Exactement, le Khad Gadia. Exactement, très usé. Lui, c'est Arba Zouzé. C'est l'inflation. 100% d'inflation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ashkar, il a trouvé là-bas, un homme, il a trouvé Arba Zouzé, 4 pièces d'argent. C'est de l'argent. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'argent, elle n'était pas en argent. L'argent, elle était en bronze. L'argent, c'est hyper cher. Et l'or, c'est encore plus cher. Donc, en réalité, les gens, ce qu'ils avaient, c'était des pièces de bronze. Et donc, c'était ça l'argent. L'argent, vraiment, c'était quelque chose déjà de très cher. Et l'or, c'était vraiment pour les seigneurs. D'accord ? Donc, un jour, il a trouvé 4 zouzim. C'était une somme colossale à l'époque. D'accord ? Des tsairés qui étaient enveloppés dans un tissu. Dans un tissu. Il avait trouvé ça dans un tissu, 4 pièces d'argent. Et ce tissu avec cet argent-là, où il se trouvait ? Des Shadou Benar Biran. Elle était jetée dans une rivière qui s'appelait Biran. Il trouve comme ça. Il marche devant la rivière et il voit là-bas, dans la rivière, mamache, 4 pièces d'argent enveloppées dans un tissu. Qu'est-ce que cet argent-là encore ? Qu'est-ce que cet argent-là ? Alors, un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là ? Atal et Kamé de Rabbi Yehuda. Il est parti chez son maître, le Rabbi Yehuda. Et le Rabbi Yehuda lui a dit : écoute, tu as trouvé 4 pièces d'argent dans un tissu. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas publier dans toutes les synagogues du coin que tu as trouvé une grosse somme d'argent. Tu ne dis pas qu'il y a 4. Parce qu'après, les gens ils vont te dire combien d'argent, 4 pièces, et quel tissu rouge, etc. Mais si tu dis tout, ça ne marche pas. Ok. Alors, Agmara demande, je ne comprends pas. Hein, bravo, bravo. Agmara a dit, mais je ne comprends pas, dans une rivière, c'est perdu, c'est quelqu'un qui a fait tomber un objet dans une rivière. Ben c'est perdu à tout jamais, parce qu'on va pas aller faire, on va pas aller avec des sous-marins, on va pas aller dans les fuir dans les fonds marins pour retrouver des pièces d'argent. Ça y est, les bateaux, des pirates qui ont fait naufrage au fond des eaux, ben ça y est, ça appartient à personne. Hein. Celui qui a envie de descendre en bas et aller chercher, ben bravo, hein. Souvent qui s'assure de remonter, parce que des fois ils descendent en bas, ils restent là-bas avec le bateau. Alors, Agmara demande, Vazuto Sheliam. On avait dit que quelqu'un qui a perdu, regardez le dessin, on avait vu déjà plusieurs fois, qu'il y avait la marée haute et la marée basse. Donc, si vous avez laissé sur le bord de le bord de la mer, vous avez laissé votre bateau, ou bien tous les objets là, qu'est-ce qui va se passer? Votre bateau, après qu'il y a la marée haute, votre bateau, il va partir en naufrage, et tous vos objets ils vont dégringoler au fond des mers, au fond de la mer. Même chose pour la crue d'une rivière, ça revient au même. Donc pourquoi il lui dit qu'il faut le rendre? Faut pas le rendre, mais c'est à toi. Si moi je me promène sur la Méditerranée et je trouve quelque chose dans la mer, ben c'est à moi. Je vais le rendre. Yagma a dit non, c'était pas une rivière quelconque, c'était une rivière très spéciale. C'était quoi cette rivière? C'est pas la Méditerranée, c'était pas la Seine, c'était pas le Rhône, c'était pas une rivière normale. C'était quoi? Shani Nahar Biran, la rivière de Biran était différente. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? C'était un endroit où il y avait des barrages. Quelques mètres ou 10 mètres ou 100 mètres, je sais pas quoi, il y avait des barrages. Donc une personne qui a fait tomber quelque chose, il dit, ok, alors je sais que c'est d'ici à là-bas. Et donc, il suffit simplement, je sais que maximum, cet objet va se retrouver ici, et si elle a été emportée par des vagues, maximum ça va s'arrêter ici, au prochain barrage. Donc, elle s'est définie, c'est un endroit défini. Zuto shel yam. Lorsqu'on est dans la Méditerranée, sur l'Atlantique, dans la Manche, va chercher quelque chose dans la Manche. Va chercher quelque chose. Va chercher quelque chose dans une mer. On va le retrouver. Mais si c'est un endroit, une rivière, et je sais que je l'ai perdu dans cet endroit-là, et je le retrouve au bout de 100 mètres, donc je sais qu'elle est là. Elle n'a pas pu partir autre part parce qu'il y a une barrière. Il y a un indice, donc il suffit simplement que je passe mon temps à chercher entre
entre le mètre 1 et le mètre 100, et je le retrouverai, parce qu'elle ne va pas partir autre part que dans cet endroit-là. D'accord ? Donc c'est pour ça que la personne, elle n'est pas de mitièche. Elle se dit, donc le Rav, Rav Yehuda, il dit, mais tu sais, tu as perdu, tu as trouvé quelque chose, mais cet objet-là, en réalité, la personne, elle ne s'est pas découragée, parce qu'elle savait que c'était ici, entre ici et ici, il y a mon objet. Je vais chercher. Je vais aller jouer mes enfants. Dimanche, on va aller, on va nager, on va le retrouver, cette affaire. C'est pas tellement, c'est pas beaucoup. Il a eu bon réflexe, celui qui a trouvé, d'aller voir le Rav. Ah ouais. Il aurait pu croire. Ah ouais, bravo, bravo. Ouais, il a eu vraiment le bon réflexe. Alors, Agmar a dit, mais je comprends pas. Je comprends pas. Mais attendez, qui c'est qui habite là-bas, dans Nehar Bira? N'oublions pas que nous sommes dans la Gemara. La Gemara, c'était pas en Israël. Où c'est qu'on est, donc on est en Babylonie, ici. En Babylonie. Il y a des gens qui habitent en Babylonie, c'est l'Irak, l'Iran de l'époque. Ce n'est pas des juifs. Il y avait aussi des juifs. Mais le rov des gens qui habitent dans ces contrées-là, c'était des non-juifs. Donc en réalité, ok, je suis d'accord avec toi que la personne, elle n'a pas été mitièche. Mais qui c'est qui l'a perdu? 75% de chance que c'est pas un juif qui a perdu. Donc, moi qui ai trouvé cet objet-là, je dis, oh, je le garde. Parce que, qui c'est qui l'a perdu? Ah, c'est pas un juif qui a perdu ça. C'est sur Saint-Goy. La preuve, c'est qu'à 75% de la population de l'endroit, c'est des goyim. Donc, j'ai le droit de le garder. Donc, reviens à la question, pourquoi le rabbi lui a dit, va le publier? Non, je ne vais pas le publier, c'est à moi. Puisque le rov, c'est des goyim. Shmamina! De là, nous prouvons que, comme Chachamim dit, il faut le rendre parce que peut-être ça appartient à un petit juif. Il y a 100 000 goy et un petit juif, tu le rends. Parce que peut-être c'est un juif. Comment tu as le droit de le prendre? Tu as le droit de prendre quelque chose qui t'appartient pas? Il dit, oui, mais j'ai 100 000 chances que c'est un goy. Donc j'ai le droit de le prendre. Il dit, oui, mais tu as une chance que c'est un juif? Tu ne le prends pas. Agmar répond, non. C'est parce qu'encore une fois, on ne veut pas, on veut essayer de trouver tous les cas possibles imaginables pour essayer de trancher par rapport à la marloquette de Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Hanan. Agmar répond, écoutez bien, Shani Nar Biran, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous voyez bien dans le dessin, le monsieur Yoni, là, il nous a fait un dessin de malade. Même moi, je ne le comprends pas. Des Israël, qu'est-ce qui se passait? S'accroulait, mais Israël caroulait. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les habitants de cette région-là, ce sont des non-juifs. Et donc, en priori, j'ai le droit, moi, de venir et le prendre. Mais le problème qui se passe ici, c'est que cette rivière-là, elle était gérée que par des juifs. C'était eux qui géraient le flux de cette rivière. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Israël s'accroulait. Mais Israël caroulait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était les Juifs, eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils endiguaient. Endiguaient, c'est-à-dire qu'ils mettaient c'est eux qui mettaient des digues. Et c'est eux aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qui draguaient. Draguaient, c'est-à-dire quoi? Qui ramassaient les choses qui traînaient au fond de la rivière. C'est eux qui faisaient ce travail-là. C'était eux leur métier. Et donc, même si le rov de la population, c'est des goy, mais comme c'est les juifs qui gèrent cet endroit-là, c'est un endroit qui est géré que par les juifs. Donc, dans ce cas-là, on peut se dire, on peut être assuré que l'argent qui se trouve à l'intérieur, comme c'est eux qui travaillent, qu'on voyait ces gens-là qui travaillaient, qui mettaient des digues, et en même temps, après, ils cherchaient au fond de la rivière tout ce qui peut être, voilà, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, au fond des eaux. Donc, on peut être sûr que cet argent-là est tombé d'un juif. Et donc, même si c'est une habitation, un village, une région où habitent des non-juifs, eh ben, c'est un peu la même chose si, par exemple, on habite dans un endroit et la synagogue. Bon, c'est vrai que si je pars dehors dans la rue, ben oui, c'est des goyim. Mais dans la synagogue, il n'y a rien que des juifs. Donc, bien qu'autour de moi, il n'y a que des goyim, mais comme à l'intérieur, il y a des juifs, ben, c'est ça qui est intéressant. Et c'est la même chose qui s'est passé dans ce Nar Biran. Ce Nar Biran, il était soit
Il était dans un endroit où il n'y avait que des goyes, mais la rivière elle-même était gérée que par des juifs. Dans ce cas-là, on est tous d'accord que celui qui trouve ces 4 pièces d'argent, il faut le rendre à son propriétaire. Bravo, les amis. Chazak ou Baruch. Ah oui, exactement. Sur l'Europe d'Israël. Mais on n'a pas encore fini cette problématique. Hein. Azak.